sur la chaîne Graphi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Pour réaliser cette calculatrice avec une forme arrondie, nous allons utiliser l'outil carré arrondi. Je maintiens sur la touche majuscule pour avoir un carré arrondi parfait. Ensuite, je choisis ma couleur, comme ceci. Une fois que cela est fait, active l'outil règle, je fais commande R. Ensuite, je déplace la règle verticale au milieu. Et ensuite, celui d'horizontal, je le place ici. Maintenant, je vais pouvoir insérer un carré non arrondi à cet endroit-là, ici, à l'intérieur de ce cadre. Donc, je commence ici et je tire vers le bas. Ensuite, je vais foncer un peu plus ceci. Ce calque-là, je la mets en dessous. Ensuite, je vais prendre l'outil texte, la touche T, et je tape plus. Je l'agrandis légèrement. Ensuite, je vais pouvoir déplacer ici. Je duplique. Ensuite, ici, je mets moins. Multiplier égal. Maintenant, je vais pouvoir régler la taille. Et voilà, maintenant vous avez l'icône en forme de calculatrice. Maintenant, je peux retirer la règle. Et voilà le résultat. Après, rien ne vous empêche, bien évidemment, d'insérer une autre couleur ici, de votre paire. Vous pouvez faire comme ceci. Je change de couleur. Rien ne vous empêche de faire cela pour donner un petit charme à votre création. Je me sens blanc. Ensuite, je vais tout sélectionner en faisant commande A et je maintiens sur toute majuscule pour pouvoir agrandir et je déplace. Voilà, vous avez la calculatrice minimalisme avec des formes simples que vous pouvez réaliser rapidement et de façon efficace. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Did you know it's...